Chaque étudiant il a sa particularité. Chaque type de handicap il est capable d'adapter les autres. Il n'y a pas de fait compliqué. Il suffit d'avoir le mindset, la volonté pour faire les. Et bien souvent aussi, nous devons adapter l'école, la classe et offrir un soutien pédagogique approprié. C'est un modèle qui Maurice bien copié le Rodrigue. C'est l'école Ancy et Rodrigue. Il a la bonne vision. Droit à l'école primaire, ils ont négocié un fonds avec l'Union européenne. Ils ont mis une infrastructure dans sa droit à l'école-là pour capable accommoder les enfants qui ont un handicap. Ce qu'ils ont pas tiré, c'est ressources humaines, techniques. Là, Global Rainbow, ils nous font. Nous, physiothérapeutes, nous, occupational therapists, fin installe toujours pas d'équipement qu'ils ont gagné. Fin traîne Global Rainbow pour établir un MOU avec RCI et Rodrigue pour nous capables de consolider ce qu'ils peuvent faire. Et un qui se nous sommes d'accord, c'est une bonne facilité qu'ils ont été là. Nous vous servons après les heures de classe pour former une personne handicapée pour être capable de gagner un travail ou pour être capable de gagner un entrepreneur. Ça l'est qui vient Constance, une adresse ministre de l'Éducation, Zodi. En tant que non-voyant et en tant que UNESCO Artist for Peace. Je pense que c'est une première qui vient de faire. Son parent écrit, il réfléchit bien. Et surtout, il est inspiré ou il est motivé quand il trouve une situation. Sa jeune fille à Roster dans le Nord, Pretty Debbie, quand il trouve ce calvaire que Pretty Debbie peut passer, l'Indien, en tant que UNESCO Artist for Peace et non-voyant, il a tiré l'attention du ministre sur un point concernant un étudiant en situation de handicap qui est dans l'école. Lui-même, son expérience personnelle qu'il a rencontrée, une difficulté, etc. Il est là, il énumère dans 16 points. L'école, classe, toilette non adaptée, peine à équipement du matériel scolaire spécialisé, personnel enseignant pas qualifié. Arrive au niveau secondaire, beaucoup d'écoles bénéficient de 120 enfants en situation de handicap. Et au cycle tertiaire maintenant, si nous parlons de toute bonne facilité que je disais en termes de l'équipement spécialisé, là on a devant moi ce qu'on appelle nos beat readers. Avant, moi quand j'étais à l'école, je me connaissais déjà tout une machine de braille manuelle, ça fait beaucoup de bruit, mais tu peux servir une machine de braille en classe qui fait beaucoup de bruit. Ben, nos enfants participaient plaignant à l'époque, mais me penser maintenant, avec le bruit que nos enfants même fait dans ce bavardage, c'est un peu difficile. Pour nous avoir une pratique, ben, les deux enfants dans cette situation à l'école avec une machine de braille manuelle. Donc, nous faisons appel au bon sens de notre autorité.